Déjà ici, j'ai enregistré et tout. Après, je suis allée chez Paul pour acheter à manger. Après, je faisais un peu le direct. Quand vous avez parlé qu'il est 9h30, comme c'était à 9h40, quand vous avez dit qu'il est 9h30, c'est quand je regarde maintenant, je parle à bon, dit que c'est déjà fermé, mais qu'on a appelé mon nom. Ils ont appelé mon nom doucement. Je n'ai rien entendu. Je dis, mens pas, je juge. Je n'ai rien entendu. Oui. 9h30. Non, il ne prend pas le bateau. Il ne veut pas Boza. Oui, le bien. Oui, Agnès, j'ai raté mon vol. En fait, j'ai d'abord raté le premier billet d'avion. Je suis arrivée, la PDG canadienne était là. Le vol était à 8h30. Donc je suis arrivée à 8h30 parce que l'embarquement fermait à 7h. Donc le temps que je quitte, j'ai roulé jusqu'à... J'ai même mis le pied sur l'accélérateur. J'ai même garé au dépôt menu. Quand je descends, même la PDG canadienne est partie au guichet. Elle a dit non. Est-ce qu'elle peut communiquer son numéro? Et puis on l'enregistre. Ils ont refusé qu'ils veulent voir ma présence. Et du coup, quand je suis arrivée, le vol était déjà fermé. Ils ont dit que le billet d'avion, il faut racheter un deuxième billet. Je suis partie au comptoir Air France. Ils m'ont dit que c'est 390 euros si je veux partir à 9h30. Si je veux partir dans le prochain vol, c'est 9h40. Ils m'ont dit 390 euros. J'ai appelé le promoteur. J'ai donné l'argument au promoteur en disant, quand on fait venir quelqu'un dans une soirée, il fallait qu'il me prenne un billet. Il demande d'abord mes horaires parce que moi, je dors aussi.
Moi, je suis allée me coucher hier à 3 heures du matin. Donc, il est inadmissible que je sois à l'aéroport à 5 heures. Bon, le promoteur a compris, il a racheté un deuxième billet d'avion. Il a acheté le billet d'avion de 390 euros. Quand il a acheté le billet de 390 euros pour 9h40, je suis bien entrée, j'ai bien enregistré tout. Je suis venue m'asseoir. C'est là. Je suis venue m'asseoir comme vous m'aviez vu là. J'attendais qu'on va appeler les noms des gens. On va appeler les gens. C'est comme ça que quand je vois là, on me dit qu'il est 10h30, il est 9h30. Je me lève maintenant, on me dit que non, c'est fermé. Le vol est fermé. On a déjà fermé les portes parce que il y a un bus qui prend les gens. Je vais vers les gens de Air France. Ils me disent non, c'est fermé. Je dis mais ouvrez la porte, je vais sortir pour aller prendre mon vol. Ils me disent non, c'est fermé, madame, vous ne pouvez pas. C'est comme ça pour ressortir. Hein. Tu fais tout le tour encore de l'aéroport. Je ressors, je pars au comptoir de Air France. Les gens là me voient, ils me disent madame, qu'est-ce que vous faites si vous venez d'acheter un billet d'avion? Je dis mais je l'ai raté. Ils disent mais comment vous avez raté? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je ne sais pas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas bien. Je dis, non, je suis bien. J'étais juste assise comme ça en train de zapper Facebook et tout. Et j'ai raté mon vol. Ils m'ont dit, après le promoteur m'a dit que c'est de ta faute. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est de te voir. Donc j'ai racheté encore un billet d'avion Air France, 12 heures. Voilà ça. C'est comme ça que j'ai repayé. Mes bagages sont là partis en Angleterre. Donc c'est comme ça que j'ai repayé encore le billet d'avion, comme vous voyez là. Imaginez. Tous mes derniers sous que j'avais, j'ai acheté un billet d'avion avec 390 euros. Encore. Non, ce n'est pas cool. Mais comme j'aime beaucoup les fans de l'Angleterre, je sais que vous serez nombreux à Manchester pour moi. Voilà pourquoi je me suis dit, même si c'est pour acheter 10 billets d'avion aujourd'hui, je vais acheter parce que je suis chef d'entreprise, je suis la PDG. Je suis la PDG internationale, la patronne d'une entreprise, les cosmétiques Flore de Lille, FDL, celle qui créa le parfum anti-jalousie, le rouge à lèvres anti-jalousie. J'ai dit, je suis chef d'entreprise, j'aime mes fans. Je paye un autre billet d'avion. Et c'est comme ça que je suis assise là, que je serai la première, donc à 12h10. Attendez, quand on met 12h10, ça veut dire que c'est l'heure que l'avion part ou bien c'est l'heure qu'on ouvre. Moi, je veux comprendre. Ah non, départ 12h50, on ferme à 12h10. Donc, à 11h, je serai la première à faire la queue ici. De toute façon, j'ai raté mon vol 3 fois aujourd'hui. 2 fois. Une de 8. Donc, dès qu'on ouvre là, j'ai demandé aux Anglais là, tout allait parler anglais, non? Non, c'est pas un mauvais signe. Ouais, vous aussi. Non, c'est pas un mauvais signe. C'est juste la négligence. Je sais pas, je vais dire la fatigue. Vous savez, depuis que je prépare la sortie de mes produits, je ne dors pas. Pendant que vous dormez, je réfléchis sur les prochains produits que je vais mettre sur le marché. FDL, voilà les prochaines lunettes qui vont sortir sur ma marque. Voilà les prochaines lunettes. Est-ce que ça vous plaît? C'est les prochains sorties de lunettes. Ceci, avec les noirs et pour les hommes. Donc, ça n'annonce aucun mauvais signe. Sois sérieuse. Mais je ne suis pas sérieuse comment? Maintenant, tu es sérieuse. Donc, si je rate mon vol, c'est quelque chose que j'ai prévu. Tu crois que qui peut accepter des banques? Qui peut accepter ça? C'est arrivé, ça arrive. C'est le destin, c'est la vie. Je ne vais pas me commencer à en vouloir tout l'aéroport et faire le bruit comme les Africains. Parce que Suzanne, est-ce que si tu fais le bruit, là, ça va changer quoi? Quand le blanc dit que tu payes, ça veut dire que tu payes. Même si tu cries, tu pleures, ça ne le gère pas. Parce qu'il y a les gens qui attendent. Il y a beaucoup de gens qui sont à ta place. Je ne suis pas la seule. Non, je suis assise. Regardez, attends, je vous montre. Je suis assise, c'est là, 23. C'est juste en face de moi, là. Je suis assise vraiment à la porte. C'est vraiment chez moi et tout. Donc, non, je ne vais plus rater ma galloise. Ma reine, on sera le 9 ensemble.
On peut causer, hein, j'ai le temps. Mon vol, c'est à 12h. À 12h. Vous avez fait fort hier. Comment ne pas vous aimer? N'oubliez pas, on va sortir des glosses aussi. Mais les gens n'aiment pas trop les glosses, mais on va sortir des glosses. Voilà un échantillon d'un gloss que j'ai mis. Mais c'est juste un échantillon. Je vais tester d'abord. Il est 11h, d'accord, dans une heure, ça va. Gaston, j'espère te voir le 9. Hein. Vraiment, merci. Merci, 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 merci pour cet accueil. Mais ce matin, j'ai vu un message. Tous vos messages. Non, on n'a pas encore ouvert la queue, on ne peut pas encore. Ça, c'est le vol qui part au... C'est pas ouvert. Maman, vous étiez nombreux hier. Non, c'est à côté. C'est parce qu'il y a un monsieur en face de moi, je ne vais pas... Et dit qu'il y a mon scénario. Comment vous avez trouvé le scénario là? Le bon, hein? Docteur Le Bon. Comment vous avez trouvé le scénario d'hier? Non, je vous ai dit que c'est à 12h, non. Voilà, vous aussi. Donc, il faut me faire signe à 11h55. Comment vous avez trouvé? Où j'ai vu un profil fort des détracteurs qui a dit que apprenez à reconnaître ce qui est bien. Et ça, j'ai commenté. J'ai dit à la personne merci. Ils ont dit, cette personne a écrit qu'arrêtons. Flore de Lille, elle n'est pas plus que les autres. Vous tous, vous avez les défauts et vous faites même pire. Apprenez à reconnaître ce qui est bon. Bon, hier, vous avez trouvé comment? Maman, la femme l'a crié. Oui, 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 oui. Il est 11h30. D'accord, à 11h55. Attends, on dit que embarquement 12h10, départ 12h50. Donc ça veut dire que vous me faites signe à 12h. Je suis juste à zéro parce qu'en face, non, wow. Il n'y a pas de décalage horaire. Loulou Soleil, Sef Ben. Comment vous avez mille roches? Mmh. Mille roches, si tu veux seulement qu'elle soit parfaite. Mais bon. Ouais, Team Fly est où? Mon fiancé. Maman, les dragueurs de ça. Il y aura trop les dragueurs qui vont venir parler que. Elle sent que les gars vont trop me draguer. Il ne veut pas. Un gars qui me parle, chef d'entreprise ou rien. Au moins, ce qu'il gagne par mois, au moins 15 000 euros. On est bien d'accord, non? Je suis sûre que les ex là vont revenir. Utilisez mon parfum. Vous ne serez pas déçus. Ne tenez pas compte de délai de livraison d'Amazon. Vous aurez tous vos produits avant le 9 septembre pour assister à l'événement de la diaspora qui va faire. C'est-à-dire, moi je ne fais pas dans la dentelle, sur les quais de Seine, dans une péniche, le voix bébé de cet enfant. Le lancement officiel des produits. Respectez le code de dress, black ou doré, black ou gold. Et je vous ai dit que c'est dans un bateau. Donc, quand vous les Africains, vous ne connaissez pas nager là. Allez apprendre à nager. Il faut aller apprendre à nager parce que c'est dans un bateau. Et je vais vous dire, respectez l'heure parce que le bateau, la péniche va prendre les gens. À 16h, tout le monde doit être là. Parce que si à 16h, vous n'êtes pas là, le bateau va faire le tour sur la Seine. Pendant qu'on sera en train de faire la fête, la présentation et tout et tout.
Donc la personne qui va rater ça va seulement revenir à 18h. Parce qu'on va faire le tour, on va quitter le quai, non, accosté. Pardon, je ne connais pas utiliser le terme là. Donc, pour les Africains qui ne savent pas faire la natation, s'il vous plaît, allez apprendre à nager un peu. Je sais que vous avez peur de l'eau. Je vous ai dit que quand j'avais pris l'hôtel intercontinental sur les champs, c'est le luxe. Mais je me suis dit, il faut oser. On ne doit pas toujours faire des trucs dans une salle enfermée comme les Africains font. C'est pourquoi j'ai pris le bateau. Donc, toutes les personnes qui vont recevoir les billets d'invitation auront le cachet de l'entreprise. Je vous invite à faire beaucoup d'achats le 9 septembre. Vous ne serez pas déçus. J'ai sorti également les coffrets de tasses pour le petit déjeuner des enfants. Je compte sur vous. Et je voudrais annoncer que au mois de novembre, à Dubaï, dans un yacht, nous allons présenter les produits dans un yacht. J'invite, je sélectionne uniquement 50 personnes. 50 personnes, vous n'allez pas payer pour assister. Parce que c'est un bienfaiteur, un milliardaire, un milliardaire en français, pas millionnaire en euros, qui décide de prendre le bateau, le yacht, pour organiser la journée du lancement. Restez connectés, vous aurez des informations. Ça veut dire, même si vous êtes en France, que vous avez envie d'aller à Dubaï avec nous, vous chargez tout simplement de payer que votre billet d'avion et puis on se charge du reste. 50 personnes qu'on va tirer au sort. Il y aura une tombola dont les gagnants. C'est pourquoi je vous dis que le chaos est bien. Quand je vous dis tout le temps que les papiers sont bien, ce n'est pas que les papiers sont bien. C'est quand tu as les papiers dans ce pays, tu peux aller où tu veux. Les papiers, c'est pas seulement... Quand tu as les papiers, c'est la liberté. Tu peux te balader. Bien sûr, ici, on n'interpelle pas les gens dans la rue pour demander les papiers. C'est rare, mais on a besoin de ces papiers. Donc, en tant que la reine-mère, j'aimerais vous dire, le papier, c'est supporta na supporta. Il faut supporter. Il n'y a pas un papier facile. Il n'y a pas un papier si quelqu'un, sauf ceux qui sont venus en France par recouvrement familial. Ou bien ceux qui ont été reconnus. Ça veut dire que... Mais quand tu arrives en aventure dans ce pays, quel que soit ce que tu as envie de faire, cherche d'abord à régulariser ta situation. L'intégration d'une personne à l'étranger passe par sa régularisation. C'est pour ça que je dis que Kaolo Fan Souté, quand je dis qu'il faut que les gens cherchent ma follow, ce n'est pas encore ouvert. Il est quelle heure? Je vous ai dit que c'est pas si c'est le bien. Voilà le bien, non. Voilà ça. C'est 12h, voilà ça, non. C'est 12h10. Non. Donc, Kaolo Fan Sauté, si vous me voyez monter, descendre, c'est parce que le Kaolo est là. Si je n'avais pas ces papiers, quelle que soit la popularité que tu as, l'argent que tu as, si tu n'as pas tes papiers, tu ne seras jamais comblé. 11h10, dans une heure de temps. Le vol, c'est à 12h10.
le kaolo avant l'argent. Je dis ça. Parce que pour créer une société, une compagnie, comme ma compagnie, il faut avoir les papiers pour avoir sa compagnie. Il faut avoir les papiers pour faire des choses. Quel que soit ce que tu veux faire, on te demande ta pièce d'identité. On te demande ta situation. C'est très important. Donc, je vous conseille de continuer à vous battre pour avoir vous continuer à supporter. Il n'y a pas un mariage qui est facile. Que ce soit avec le blanc, le noir, ce n'est pas facile. Le tout, c'est de supporter. J'ai remarqué que en Europe, les noirs font souffrir les noirs plus que les blancs. Quand tu rencontres un noir qui a les papiers que toi tu n'as pas, celui qui a les papiers te fait souffrir, toi sa sœur, tu deviens son esclave, tu deviens son chiffon. Alors que le blanc, c'est dû aussi avec eux. Mais ce n'est pas comme avec les Africains. Le pays, si tout le monde est un peu psychopathe à cause de tout ce qu'on subit. Il y a des personnes qui marchent pas le seul. En route, ils marchent pas le seul pour rien. Tellement ce qu'il subit là où il habite, c'est tellement fort que ce que tu vis ou ce que tu subis tous les jours, c'est plus fort que tout. Mais la première motivation doit être que je veux mes papiers. Quand tu as cette motivation, rien ne peut te retenir. Quelle que soit la façon, la manière d'avoir les papiers, c'est la finalité qui compte. Tout chemin mène à Rome. On s'en fout. Parce que les Africains aiment mal conseiller les Africains. Quand tu veux faire ta chose, ne demande pas à un Africain que je fais comment. Parce qu'il ne te dira jamais comment faire. Quand tu fais les démarches administratives, tu as besoin d'un renseignement. Arrêtez de vous renseigner au quartier. Il y a des choses qu'on ne paye même pas. Ici, on te renseigne bien. Mais certains Africains, quand tu veux poser une question, on peut dire, excuse-moi, comment on fait tel papier? Il va d'abord t'utiliser. Tu vas venir garder les enfants, tu vas venir faire la cuisine, tu vas faire d'abord la boniche. Juste pour te dire comment composer un dossier, tu fais d'abord la boniche avant qu'on te... alors que ça ne coûte rien. L'Africain n'est pas la bonne personne chez qui on se renseigne. Même dans la rue, quand tu marches, quand tu te renseignes près d'un Africain, c'est toujours différent que près d'un blanc. Parce que quand tu te renseignes près d'un Africain, que excusez-moi, pour aller peut-être à Château Rouge, je sais où, il te dit seulement aller tout droit. Alors que le blanc prend son téléphone. S'il ne connaît pas, il te dit attends, il tape son téléphone. Il regarde l'itinéraire. Et il te dit que prenez la ligne, il t'explique. Alors que l'Africain, il est toujours plus pressé que le blanc, mais il ne fait rien. Quand tu demandes le renseignement à un Africain, il te parle pour se débarrasser de toi. Il te fait, tu te perds. Lui-même, il ne connaît pas. Lui-même, il ne connaît pas le chemin. Lui-même, il ne sait pas où. Donc, lui-même, il est comme toi. Mais il n'a pas envie de te montrer que lui-même, il vient d'arriver, ou bien qu'il vient d'être dans la ville. Alors que ça ne te coûte rien. Tu peux dire à ton frère, je viens d'arriver, ou bien je viens d'arriver. Tu n'es pas obligé de dire que tu viens d'arriver en France. Je ne suis pas de la ville, je ne connais pas, point. Pourquoi tu vas dire qu'un jour, j'ai demandé à un Africain, je ne m'étais pas embrouillé. Il m'a fait passer avec mon ticket pour aller à l'inverse alors que c'est parce qu'il n'avait pas le ticket. Il m'a dit non, je connais, allons pas ici. J'ai mis mon ticket, il est passé. Quand je suis entrée monter dans le train, maintenant le train ne fait que partir, le RER. Je n'arrive pas, je lui dis mais attends, je partais à la gare du Nord. Et puis les gens qui sont dans le train me disent mais non madame, c'est pas passé, c'est de... Les gens m'ont dit que madame, vous vous êtes trompée, c'est pas vrai. Madame, non, c'est pas le mot. C'était de l'autre côté. Au fait, parce qu'il n'avait pas de ticket, il attendait pour sauter le métro. Comme il n'a pas pu sauter, il m'a fait passer parce qu'il voulait passer. Mais
mon côté, je partais de l'autre côté, lui partait là, mais il m'a fait aller de ce côté. Est-ce que c'est gentil? Quand j'étais dans le métro maintenant, quand les blancs me disent non, 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 c'est de l'autre côté. Et le monsieur, je dis que même si on m'avait dit que c'était pas ici, il ne me répondait plus. Et Dieu, ben, je... il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Il a carrément, je dis que mais n'est-ce pas, tu m'as dit que c'est ici. Il me regardait. Il ne me gérait plus. Mais il fallait voir comment il était bien habillé. Il était sapé. Comme jamais. Sapé, costard, cravate. Alors quand tu te renseignes à un Européen, s'il ne connaît pas, si c'est celui qui est pressé, il va te dire cache que non, je suis pressé, je ne suis pas de la ville. Mais quand c'est celui qui veut t'aider, il t'aide de vrai. Il prend son temps, il tape. Parce que nous-mêmes, on a les téléphones, on ne connaît pas utiliser comme le blanc. Hein. Eux, ils savent manipuler le téléphone. Pour eux, prendre une minute pour regarder un truc, ça ne coûte rien. Alors que nous, les Africains, on n'aime pas d'abord lire. On ne veut pas regarder. On veut seulement la facilité. Quand tu demandes à un Européen, il tape, il dit que vous avez dit quoi? Il fait ça, il te montre. Il t'accompagne même que passe pas ici. Oui. Et même, beaucoup d'Européens, quand tu descends, quand tu es en train de prendre les transports, qu'il y a les escaliers, des fois, les Européens te proposent toujours, madame, est-ce que je peux vous aider? Vous voulez que je descende votre sac alors que ton frère africain va passer, il va pas te. Il ne va jamais t'aider. Il ne peut pas t'aider. Il va descendre les escaliers, il va te monter, tirer les sacs, il ne t'aide pas. Alors que le blanc te demande toujours, est-ce que vous voulez, madame, je peux descendre votre sac, vos bagages, t'aide à descendre les escaliers avec. Vous comprenez un peu? Donc, c'est juste pour dire qu'un. Quelque part, on doit respecter l'homme blanc. C'est très important. Certains t'accompagnent jusqu'à... Il te met au pied du métro. Et puis, il rentre. Alors que ton frère africain ne te fera pas ça. Je dis certains africains. Non, 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 non. Il n'est plus pressé alors qu'il ne travaille pas. Il ne fout rien. Il s'assoit au carrefour. Il ne fait rien. Quelqu'un dit que le calvaire de la poussette. Maman, la poussette. C'est quelqu'un qui. Est-ce qu'on vient à Paris avec les poussettes? Maman. Non, mais les Africains aiment la souffrance. Hein? Quand tu vas à Château Rouge et Château d'Eau, là, tu confirmes que. Ils sont tous les grosses. C'est ça que les Africains. Ça pèse. Quand tu veux, ça pèse jusqu'à. C'est les tripes que vous voulez boire. C'est les tripes d'abord, c'est les boyaux. Ça, il y a l'eau, ça fait. Les tripes, la peau de bœuf, le maïs, les mangues, les ignames, le couscous, tout ce qui est lourd là. Tu vois, une femme, elle n'a pas. Papa, tu dis que. Tu vois, une jeune fille. Les filles noires, vous partez faire la poussette, les courses avec la poussette de l'enfant, maman. Les poussettes là sont solides, que comment non? Je regarde l'heure, c'est pas encore ouvert, c'est devant moi, c'est pas ouvert. Voilà la dame qui m'a aidé. Il passe. Donc je dis que parfois, c'était que parfois non. Tu vois une fille, une jeune fille, la poussette. J'ai dit qu'elle n'a pas le sac du tout. Tout ce qu'elle achète, mais que pour cette poussette, c'est pas l'enfant qui pèse. Elle charge tout en bas de la poussette. Tout ce qu'elle. Elle, tu la vois en train de pousser. La poussette. C'est dur. Quand elle arrive aux escaliers, tu la vois, elle attend. Elle attend comme ça l'aide. La personne qui va l'aider à descendre. Les Africains aiment trop être chargés. Ils n'aiment pas, ils aiment trop les bagages. L'homme noir adore les bagages. Vous m'aimez pas, vous aimez les bagages. Les bagages. J'entends ici à l'aéroport qu'on veut détruire un sac. C'est tous les. Surtout au terminal 2E.
C'est là-bas qu'il y a beaucoup les vols qui vont en Afrique. Quand tu entends qu'on veut détruire le sac de quelqu'un, parfois il est au téléphone. Les sacs immigrés. Parfois tu vois les Africains avec les sacs immigrés, les sacs carrelés, les sacs Bamako. Ils chargent jusqu'à la corde de ça. Les cordes de ça sont fragiles. Et parfois, tu prends en train de détruire, tu vois les militaires en cercle le sac pour détruire. La personne au téléphone en train de causer, on est en train de détruire son sac. Et quand on met la bombe, on explose. C'est le piment qui sort dedans. C'est la banane. Il y a le plantain, les bâtons de manioc, le fumbois, le chikwang. Il y a tout ça ici. Quand vous transportez toutes ces choses-là, vous ramenez ici en Europe. On vend ça ici, ça ne coûte pas plus cher que ce que vous pensez. Quand tu payes le bagage en Afrique, là, l'argent que tu as payé le bagage avec, c'est 100 000, non? Ou c'est 100 000, ou c'est 150 000, 23 kilos. Avec 150 euros, ou 100 000, ou c'est 100, tu achètes les choses ici, l'équivalent de 100. Hein? Et puis quand ça arrive même en France, c'est déjà pourri dans l'avion. Ça a toujours une odeur du gâté. Bon, après, si tu as la famille qui travaille dans les compagnies, là, c'est normal, tu peux voyager avec comme ça parce qu'on te pose ça gratuit. Ou bien si tu voyages avec beaucoup d'enfants en Afrique, moi, quand je vais en Afrique, quand ma mère veut me faire à manger, je dis que non. Je prends que les trucs secs parce que je ne peux pas aller au pays. Je commence à porter le piment si c'est encore écrasé et congelé. Et ce que vous devez savoir, ceux qui vont au pays, quand vous partez au pays, achetez les papiers sujet, les papiers pour emballer ici. Les papiers film, vous emballez bien que ça ne coule pas. Quand ça ne coule pas, ça passe. Mais quand vous emballez avec les sachets du pays, là, c'est trop fragile. Mon vol n'est pas encore ouvert aussi. Bon, je coule le salon. Ce soir, venez nombreux à Manchester à la soirée d'aujourd'hui. Un couple là, pêcher. Un couple là, maintenant, UK. Pêcher un peu Zinjoka. Bon. Bon, Iimbo. As-tu fait un zom non? Iimbo. Ce soir, bisous, bisous. Hein. Venez nombreux. Hein.